وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteur d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans Sourate Al-Hajj, « Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. » Allah Ta'ala dit dans le sens des versets dans Surat Ali Imran, verset 28, « Et Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. » La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir en lui, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, sont deux ailes avec lesquelles toute personne qui veut s'approcher d'Allah essaye d'avancer vers toute position louable. La réalité de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le Fudayl ibn Iyad rahimahullah, celui qui craint Allah, cette peur le dirige et le guide vers tout bien. Et un cœur dans lequel il n'y a pas la crainte d'Allah est un cœur en ruine. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui craint une chose, il fuit de cette chose. Alors que celui qui craint Allah fuit vers Allah subhanahu wa ta'ala. De quoi le musulman, le monothéiste pur a peur? Premièrement, il a peur de ses mauvaises actions. Et il a peur des manquements qu'il puisse avoir vis-à-vis des droits d'Allah. Et il a peur qu'il ne soit pas sincère dans ses actes, que ses actes ont été mélangés avec de l'ostentation. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans le sens des versets, n'as-tu pas vu celui dont ses mauvais actes ont été embellis, alors que lui, il les voit bonnes? Mais certes, Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, et nous avons devancé ceux qu'ils ont fait comme œuvre, et on en a fait de la poussière éparpillée. Abdullah ibn Mulaika rahimahullah a dit, j'ai rencontré 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tous sans exception avaient peur d'être des hypocrites. Le musulman a peur aussi du châtiment d'Allah, car le châtiment d'Allah est terrible. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Hud, dans le sens des versets, telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités. Lorsque celles-ci sont injustes, son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour attesté par tous et solennel. Et nous ne le retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Il y aura des gens damnés et des gens bienheureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils auront des soupirs et des sanglots.
La personne craint aussi la mauvaise fin, car ce qui compte, c'est la manière dont on finit. La personne qui est sincère avec Allah, Allah tabaraka wa ta'ala lui permet de finir sur des bonnes actions et de mourir sur des bonnes actions. Alors que la personne qui n'était pas sincère, qui était un hypocrite, comme il est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'une personne fait les œuvres des gens du paradis en apparence, dans ce qui apparaît aux gens, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une seule coudée. Alors sa destinée le devance, et il fait un acte parmi les actes des gens de l'enfer, et il y entre. De même qu'une personne fait les œuvres des gens de l'enfer, dans ce qui y apparaît, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Sa destinée le devance, et il fait les œuvres des gens du paradis, et il y entre. Il ne faut jamais se sentir en sécurité de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son stratagème. Allah ta'ala dit dans sourate Al-A'raf, verset 99, dans le sens des versets, « Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ?» Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Il est rapporté que Sufyan al-Thawri, rahimahullah, était sur son lit de mort et pleurait à chaudes larmes. Alors un de ses élèves est entré et lui a dit « Pourquoi pleures-tu autant ?» Quand il a vu que Sufyan al-Thawri n'a pas répondu, il lui a dit « Si tu pleures autant, c'est que tu dois avoir beaucoup de péchés. » Alors Sufyan de répondre, de prendre un petit bâtonnet, un bâtonnet du sol et de le lever. Il a dit « Tu vois ce bâtonnet ? Pour Allah, mes péchés, c'est moins que ce bâtonnet. Si Allah veut, il les pardonne tous. Mais j'ai peur que la foi me soit retirée avant ma mort. » Le fait de craindre Allah, c'est une vertu et c'est demandé pour tout croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah azza wa jal dans le hadith al-Qudsi. Allah dit « Et je jure par ma puissance, je ne réunirai pas chez mon serviteur deux peurs et deux sécurités. S'il a peur de moi dans ce bas monde, il sera en sécurité le jour du jugement dernier. Et s'il se sent en sécurité en ce bas monde, alors je lui ferai peur le jour du jugement dernier. » Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, « Celui qui craint de comparaître devant son Seigneur aura deux jardins ou deux paradis. » Allah Ta'ala dit aussi, « Et certes, celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et qui empêche son âme de suivre ses passions, le paradis sera donc sa demeure. » Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rapporte dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, une personne de Bani Israël, des peuples passés, qui avait fait beaucoup de péchés, et dans certaines versions du hadith, il est dit que c'était un abbash, c'est quelqu'un qui creusait les tombes des morts pour voler leurs biens, pour voler les richesses. Alors, avant sa mort, il a dit à ses enfants, « Si je meurs, prenez-moi, brûlez-moi, coupez-moi en morceaux et jetez-moi dans les quatre coins de la terre, car j'ai peur que si Allah puisse me réunir, j'ai peur qu'il me châtie d'un châtiment comme il n'a châtié personne auparavant. » Mais cette personne, il a dit une chose, bien sûr qu'Allah il est capable de le réunir. Il a dit cette chose par ignorance et par peur. Il ne savait pas quoi faire. Ce n'est pas légiféré de se faire brûler, surtout dans le charia, même avant. Alors, le jour du jugement dernier, Allah a ordonné à la terre, ordonne à la terre, réunit tous les morceaux à la terre et à la mer, réunit tous les morceaux de cette personne. Et voilà qu'il s'est mis debout devant Allah. Et Allah Ta'ala lui a dit, « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» Il a dit, « J'ai eu peur de toi, mon Seigneur. » Alors Allah Ta'ala lui a pardonné. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que les pieux prédécesseurs, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les successeurs, alors qu'ils sont les meilleurs de cette communauté, avaient peur et craignaient Allah subhanahu wa ta'ala malgré le nombre
d'actions qu'ils faisaient et les qualités d'actions qu'ils ont fait. Il est rapporté d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qu'il disait: j'aurais bien aimé être une feuille d'arbre qui est mâchée par un animal puis avalée pour ne pas rendre de compte. Il a été rapporté de Omar ibn Khattab radiallahu anhu qu'il aurait dit: si une personne appelait du ciel en disant tout le monde va entrer au paradis sauf une personne, je dirais cette personne c'est moi. Abdullah ibn Abbas rapporte qu'au moment où Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'est fait poignarder en pleine salat, en pleine prière, alors ils sont venus, ils l'ont pris, son fils ibn Omar, il l'a mis sur sa cuisse. Il a dit à son fils: jette ma tête par terre, que ta mère te perde. Que tu sois perdu, ya Omar, si ton Seigneur il te fasse, il te fait pas miséricorde aujourd'hui. Puis Abdullah ibn Abbas lui a dit: ô chef des croyants, ô prince des croyants, tu es entré en islam alors que tous les gens étaient mécréants. Tu as combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où tout le monde l'a abandonné. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sans être satisfait de toi. Et personne n'a divergé sur le fait que ce soit toi le prince des croyants. Et tu viens de te faire tuer martyr. Alors Omar l'a regardé. Il lui a dit: El Maghrour, celui qui s'est fait tromper par ses œuvres, celui qui se forge des illusions sur lui-même, c'est celui que vous avez réussi à tromper. C'est celui que vous avez réussi à tromper. Il a dit: par Allah, si je possédais tout ce que, sur quoi le soleil se lève, toute la terre, je serais prêt à le sacrifier pour être préservé du châtiment dans la tombe. Et plusieurs récits des pieux prédécesseurs, comme Saïd ibn Saïb al-Taïfi, que ses yeux ils ne se séchaient jamais, il pleurait tout le temps. Quand il s'asseyait pour lire le Coran du livre, il pleurait. Quand il faisait le tawaf, il pleurait. J'ai dit: oh Saïd, qu'est-ce qui te fait pleurer comme ça? Il a dit: quand j'entends les gens du bien et leurs œuvres, alors je vois que je suis loin de faire les œuvres comme eux ils font. Et beaucoup de récits dans ce sens-là des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, comme Abdullah ibn Mas'ud qui a dit: je n'espère pas être parmi les gens, plutôt est-ce que tu espères être parmi les gens de la droite ou bien parmi les rapprochés? Alors Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: je préférerais être rien du tout et mourir et ne pas être ressuscité pour échapper au jour du jugement dernier. Quand on lui demande: est-ce que tu veux faire partie des gens de la droite ou des rapprochés, il dit: je préférerais être rien pour ne pas avoir à rendre de compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, quand on compare nos œuvres et la qualité de nos œuvres et notre sincérité et notre attachement à la sunna et l'éloignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses enseignements et ceux des compagnons et des tabi'in et ceux qui les ont suivis et les savants qui ont hérité de cet héritage et qui l'ont mis en pratique et transmis, comment pouvons-nous être en sécurité? Comment pouvons-nous croire être tranquille et dormir tranquillement sur ses deux oreilles alors que la mort peut venir nous chercher à n'importe quel instant? Le musulman se doit de craindre Allah. Et cette crainte-là, elle doit le pousser à faire de meilleures actions, non pas de désespérer, se laisser aller. Une crainte équilibrée, avec l'espoir, qui le pousse à faire des bonnes actions, qui le pousse à corriger ses actes, qui le pousse à s'éloigner des péchés et des manquements, qui le pousse à faire de plus en plus de bonnes œuvres, pour qu'il retrouve cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il espère en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما